Salut dark Hero, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons sur cette vidéo découvrir le tout nouveau jeu que vient de sortir Gameloft. Gameloft, donc, a désormais 20 ans. Ils ont créé tout un tas de jeux et pour autant, ça fait longtemps qu'on n'avait pas ent entendu parler d'eux. Et nous y voilà. Leur tout nouveau jeu vient de sortir Hero of the Dark, si on le dit évidemment en français, ou Heroes of the Dark avec un accent pas terrible, je vous le concède, où euh, on est donc dans un mélange de Gacha et de stratégie. Et l'objectif de cette vidéo, c'est évidemment de vous faire découvrir ce jeu et de vous donner les premières bases par l'intermédiaire d'un guide débutant partie hein. 1. Et je serai amené évidemment à vous proposer une partie 2, voire 3, en fonction du contenu qu'il y a à voir dans euh, justement ce jeu pour les débutants. Mais on va déjà commencer par découvrir l'univers de Dark of heroes et euh, heroes of the dark plutôt euh, et d'aller voir justement qu'est-ce que nous propose ce tout nouveau gacha qui vient de sortir en avant. Alors, heroes of the dark est un jeu comme son nom l'indique qui est plutôt orienté sur un côté très sombre, euh, un mélange effectivement de gacha stratégie comme je vous le disais. Donc le gacha, le principe, si vous ne le connaissez pas, c'est une sorte de collection de champions, de héros, qu'il va falloir monter, upgrader, que ce soit par l'intermédiaire d'accessoires, que ce soit tout simplement de niveau, que ce soit en termes d'étoiles, et donc la partie stratégie, qui est une partie où on peut être amené, de ce que du peu que j'en ai vu, à se combattre avec d'autres guildes dans un futur mais plus lointain, lui évidemment. Alors. Vous vous retrouvez face à ce jeu, vous démarrez, vous arrivez devant votre manoir. Alors, dans les premières étapes, vous allez avoir un, tout un tas de quêtes qui vont vous être demandées de, de réaliser. C'est une sorte de petit tutoriel. Donc, il va, il va falloir le suivre de manière assez euh, assez basique. Pour autant, vous allez voir au début, je pense, comme moi en tout cas, et sûrement comme beaucoup, vous allez un petit peu euh, patauger dans la smooth parce qu'il euh, y a beaucoup de choses et il faut s'y retrouver. Et ça fait partie justement des choses qu'on va découvrir ensemble. Donc là, vous avez votre manoir et dans votre manoir, vous retrouvez tout un tas d'éléments euh, qui vous permettent effectivement euh, de capter des ressources, euh, d'améliorer euh, vos ressources, etc., etc. Donc on va déjà regarder ce qui se trouve sur notre map en tout premier lieu. Donc ici vous retrouvez votre avatar avec votre nom. Vous pouvez modifier ainsi que le nom de la guilde que vous auriez éventuellement rejoint. On voit également donc euh, les voilà la puissance totale et les héros. Ok, là ici vous retrouvez l'énergie. Donc l'énergie, il y a une production euh, par heure de 6 et qui va permettre euh, justement comme vous le voyez d'être consommée lorsqu'on envoie via des marges dans des camps ennemis. Donc ça c'est via la carte que je vous présenterai après. Ensuite, vous retrouvez l'or. Ici, c'est une monnaie d'échange universelle, avec une partie qui est protégée et une partie qui est captable par les ennemis, avec la vitesse de production. Et ça, ça va vous servir pour tout ce qui est construction de bâtiments. Vous retrouvez ici la poussière lunaire. Donc ça, cette poussière lunaire, elle va vous permettre de produire certains cristaux qu'on verra par la suite qui vous permettront de... Montez vos champions. Même chose, on a une vitesse de production par heure qui est améliorable avec une capacité maximale et une partie protégée. Et enfin, on retrouve les gemmes lunaires qui sont des fragments qui vous servent à acheter des choses qui sont, on va dire, payantes aussi, mais que vous pouvez acheter par le biais de ces gemmes. Par exemple, des invocations, mais aussi d'autres éléments. Là, quand on va sur cet onglet, vous vous retrouvez face au marchand. Donc vous voyez, le marchand, par exemple, me permet d'aller acheter certaines choses. Comme un bouclier pour protéger euh, avec 500 gemmes justement mon, mon manoir. Euh, on va retrouver là, ce sont tous les achats avec de l'argent réel. Et ici, vous retrouvez votre portail d'invocation. Donc soit vous avez le standard qui coûte 120 gemmes. Ou vous pouvez évidemment obtenir des orbes qui vont vous permettre d'invoquer gratuitement. Ou vous allez obtenir des fragments de héros communs ou rares. Il faut savoir que vos héros sont soit communs, rares, épiques ou légendaires. Donc ça, c'est assez commun vis-à-vis -vis des Gatchas. Et ce sont des fragments que vous obtenez. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas le champion immédiatement. Il va falloir cumuler ces fragments pour pouvoir débloquer effectivement euh, les héros. Et donc dans les premiums, ce sont des fragments de héros rares, épiques ou légendaires. Et vous le voyez qu'on a 5 fragments qui sont garantis pour des héros épiques. Ou légendaires après un certain nombre d'invocations qui au départ sont 10 et là maintenant sont au nombre de 7. Si on va dans le petit, on va voir que pour les obtenir ces champions, on a 3, 4 ou 5 fragments et c'est 33% de chance, on va dire, pour tous de les obtenir. Avec vous voyez des cagnottes de héros normales et là on arrive sur donc des héros spéciaux. Voilà pour le portail des invocations en très bref, on aura l'occasion de détailler ça un petit peu plus. Dans le futur, dans un futur guide. Là, nous arrivons sur des corps Donc là, c'est tout simplement les événements qui sont en cours. Donc là, je vois que ça débute dans 9 heures. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire dans celle-ci Il va falloir dépenser de l'or et de la poussière lunaire pour gagner des points d'événement. Donc ça, ça va nous permettre de gagner des ressources. Et on voit les récompenses de paliers euh, des coupons pour avoir de l'or, augmenter la, la vitesse de construction, mais également des citrouilles qu'on pourra utiliser dans une boutique saisonnière. Là nous avons donc les événements qui sont en cours, en cours. là c'est chasse aux ressources. Donc là on le voit, euh, si je vais, il faut que j'aille extraire de l'or et de la poussière lunaire sur la carte du monde pour gagner des points d'événements. Ces ressources vous pouvez les obtenir par le biais de votre manoir mais aussi sur une carte extérieure qu'on ira découvrir ailleurs. Et donc ça me permet d'atteindre des paliers qui permettent de débloquer des récompenses. Pareil, je détaillerai ça plus tard. On peut booster, vous le voyez, avec certains types de champions, loup-garou, tank, etc. Mais ça, le détail des champions, je vous le donnerai dans la guide débutant partie 2. L'objectif étant de ne pas tout noyer dans une seule partie. Et vraiment là, d'aborder le jeu dans son ensemble au démarrage. Ensuite, on retrouve ici la guilde qui me permet d'aller donner un coup de main pour des constructions alliées. On va retrouver tout un tas d'éléments pareils ça, on le détaillera un petit peu plus tard. On va retrouver la planque, ça ça permet de visualiser euh, donc voilà, des coupons que je pourrais tout à fait utiliser, ainsi que des clés. Là, je retrouve mes items, mes, mes choses qui permettent d'accélérer, et puis également tous les items d'équipement qui sont déjà sur mes champions. Les messages, donc là, on retrouve les rapports de combat. Les rapports également système, les rapports de guildes et les favoris s'il y en avait. La campagne est un univers à part aussi qui vous permet d'être fait en parallèle de lancer vos champions à l'extérieur, ce qui est plutôt positif et vous allez gagner des récompenses. Donc ça vous permet d'améliorer aussi de manière significative vos héros. Et ensuite, on arrive sur le dernier onglet où vous trouvez les héros que vous avez. Donc moi, vous voyez, pour l'instant, j'ai un héros épique. Sinon, pour l'instant, ce sont des peu communs. Euh, et là, nous retrouvons toute la liste des héros disponibles, sachant que le jeu vient de démarrer. Donc, on n'a pas encore une liste extrêmement importante de ces héros, mais qui aura tendance à être améliorée. Et vous voyez qu'ils ont des particularités. Si on va voir, par exemple, ce héros, on voit que Daeva Fon Meremoth elle est de type Annihilateur, et c'est un vampire. Donc forcément elle va avoir des compétences particulières qu'on euh, qu découvre ici. Elle va diminuer le coût de production des cristaux de sang. Ça, on verra ça plus tard. Euh, elle va conjurer trois météores qui tombent sur une ligne devant elle, chacun infligeant des dégâts à hauteur de 380% de sa puissance d'attaque, de l'impact, etc., etc. Donc là, c'est ce que vous retrouvez. Et on retrouve également des passifs qui, pour le moment, comme vous le constatez, sont bloqués et peuvent être améliorés en fonction des étoiles. Les étoiles seront améliorables, on le verra un peu plus tard, avec du doublement de champion. Et là, je vois que je peux aller sur du niveau supérieur. Et là, je pourrais monter mon champion à partir de 20 éclats de daiva voilà donc là vous retrouvez les étoiles de vos champions les niveaux aussi et les niveaux donc comme on l'a dit brièvement tout à l'heure on peut les obtenir par des éclats de sang et par des choses spécifiques de type annihilateur donc là regardez je vais monter brièvement voilà je vois que là je peux plus il manque des éclats de sang et il me dit où aller les chercher donc c'est assez bien foutu et intuitif je détaillerai ça dans la partie 2 de manière très très précise au niveau des héros puisque c'est quand même le nerf de la guerre de ce jeu Ensuite, on retrouve les euh, challenges quotidiens que vous retrouvez là. Donc ça, c'est les quêtes, on va dire, importantes. Vous voyez, dès que j'aurai obtenu les 4 prochains, je pourrai améliorer effectivement ma championne. Je retrouve ce qu'on me demande de faire, atteindre le niveau 8 de la salle du trône, etc. Ça, on va détailler les bâtiments après. Et puis, euh, j'ai donc là mes quêtes quotidiennes que je peux obtenir. Et euh, ça me permet d'obtenir un coffre quotidien au bout. Euh, vous le voyez j'obtiens des gemmes euh, de, de la récup d'énergie et compagnie là je suis sur les missions mensuelles où je peux récupérer aussi derrière donc l'objectif c'est d'être très vigilant elles sont pas évidentes à faire ces missions en tout cas quand on est très early game vu que je viens juste de démarrer je vous cache pas qu'elles sont pas évidentes euh, de toutes les faire il faut quand même avoir un petit temps de jeu pour pouvoir euh, être présent pour faire tout ça et enfin on va terminer sur les bâtiments avant d'aller voir la carte. Donc ici vous avez votre salle du trône. Votre salle du trône, c'est là où, on va dire c'est voilà comme ils le disent, le cœur de votre manoir. Ça vous permette d'améliorer, débloquer de nouvelles pièces et de nouveaux niveaux de vos autres salles. Donc ça c'est un élément à faire. Et vous voyez la condition pour l'améliorer, il va falloir que j'ai un fouet de guild supérieur. Ici donc j'ai une salle de rituel vampirique. Donc là en fait j'ai plusieurs possibilités. Je peux assigner un héros comme par exemple Madaeva et grâce à elle, ça va me diminuer le coût de production des cristaux de 125 Donc quand je n'utilise plus mes héros, je peux les affecter avec leurs particularités pour que ça m'apporte quelque chose en plus et là en l'occurrence, ça sera le coût de production. Je peux produire, donc ces cristaux de sang, j'ai plusieurs niveaux. Donc pour l'instant, je sais que j'ai besoin de niveau 1 pour elle. Ça va me coûter des poussières d'étoiles que vous avez vues tout à l'heure. Là, je pourrais en produire 13. En 12 minutes 23 très précisément et ça va me permettre de l'améliorer justement sur son niveau ma petite daeva derrière donc ça c'est vraiment pour les vampires ici c'est les laboratoires lunaires humains même logique je peux l'améliorer donc en l'améliorant ça va me permet de produire vous le voyez plus de cristaux à chaque fois et euh, je peux assigner un héros alors là oui j'en ai un j'ai effectivement un héros qui me permettrait de le faire et je peux toujours produire mes petits éclats de batterie. Je continue de la même logique, la purification Lupine. Donc là, j'ai pas... Alors je peux produire... Est-ce que j'ai des champions Non, j'ai pas de champions qui me permettent d'améliorer ça pour le moment. Donc je ne peux pas améliorer. Euh... Euh... Enfin, je peux l'améliorer, mais je ne peux pas augmenter la, la capacité ou les ressources utilisées. Voilà. Donc, en fait, vous allez retrouver trois types de cristaux au démarrage qui sont utilisables pour vos champions. Vous retrouvez ici votre usine de poussière lunaire, donc euh, qui sont à cet endroit-là, que vous aurez besoin, comme vous le constatez, justement pour produire des cristaux. Et au même titre, je peux assigner un héros pour progresser. Là, je n'ai pas de héros qui me permettent de le faire et améliorer. Ici, c'est la fonderie d'or. Donc, c'est ce qui me permet de construire mes bâtiments. Au même logique, là, je peux assigner un héros et je vois, ah, j'en ai un qui me permettrait de gagner 30% d'or supplémentaire. Lors de la collecte. Euh, donc, ça, c'est plutôt pas mal. La chambre forte, ça, c'est ce qui va sécuriser mes ressources. Donc, là, je vois que j'ai une capacité de ressources de protection de 107 000. Alors, non, j'ai une capacité de ressources de 107 000, une capacité de protection de 81 900. Et plus je vais améliorer, plus je vais sécuriser mes ressources si je dois subir des attaques. Ici, j'ai l'infirmerie qui peut me permettre, si j'ai des héros blessés, de les soigner. Euh, donc, je peux aussi assigner des héros dans la même logique. Vous voyez, si effectivement ils sont, euh, euh, ils ont des compétences en fait qui peuvent permettre d'améliorer les bâtiments. Et là, bah, j'ai des vitesses de soins qui sont améliorées. Il existe tout un tas d'autres bâtiments, voyez, qui vont être débloqués par la suite à partir du niveau 9. Et ici, je retrouve mon foyer de guild. Le foyer de guild va me permettre aussi d'apporter du temps d'aide. Euh, donc, ça, c'est pour aider des membres de votre guilde pour euh, tout un tas de choses, pour les bâtiments, entre autres. Et là, qui peut être amélioré, on voit ici que euh, j'aurai pour une minute et 4000 d'or pour pouvoir l'améliorer. Voilà, donc là, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à débloquer. Ici, on retrouve donc le portail d'invocation. Ici, on retrouve les campagnes, si au cas où vous voulez, vous voyez, euh, les faire à d'autres endroits que là. Et enfin, on va terminer par la carte. Donc la carte, c'est, on va dire, le monde extérieur à votre marnoir. C'est le monde ouvert. Et là, il se passe tout un tas de choses. On retrouve tous les, euh, bah, tous les petits copains qui ont créé leur compte aussi. On voit leurs niveaux, voilà, 1, 3, 3, 7, etc. Et puis on a aussi, donc ça c'est les personnages joueurs, on voit qu'ils ont un bouclier autour d'eux. Et puis on voit qu'ensuite, à côté, on a euh, des petits combats qu'on peut faire avec des niveaux euh, et qui vont permettre, vous l'avez vu, vous voyez, si j'attaque celui-ci, d'obtenir des jetons d'annihilateur qui sont nécessaires pour améliorer. La vampire que vous avez vu tout à l'heure, qui est une vampire annihilatrice, je vais y arriver, et euh, j'ai besoin de ça, plus des jetons vampiriques pour pouvoir l'améliorer. Donc, ça, c'est des attaques que je peux faire grâce à l'énergie. Euh, on va aller justement tester un petit combat pour vous montrer à quoi ça ressemble juste après. Et enfin, donc là, il y a des euh, portes euh, spécifiques qui permettent de, de, voilà, de gagner euh, certains éléments. Euh, Qu'est-ce qu'on a là des antiques donjons bâtis par les anciens, des artefacts spéciaux. Ok, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Voilà, on peut obtenir des amulettes, on peut obtenir des jetons, enfin des fragments de birchats et des pièces de catacombes qui sont intéressantes pour les, pour les, comment dire, pour le marché. Là, on pourra le faire, mais plus tard. Et voyez, donc là, on a des niveaux. On voit qu'on est sur un camp de tank niveau 4, donc forcément les récompenses sont plus élevées c'est aussi plus costaud à aller chercher. Qu'est-ce qu'on a ici? X de région. Ok, donc là ça c'est un combat de guilde. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, il va falloir monter solo, mais il va falloir aussi monter avec une guilde pour justement aller taper les éléments les plus forts euh, et pouvoir se défendre et attaquer d'autres guildes derrière. Donc il est possible de bouger son manoir. Euh, via effectivement des, des éléments spécifiques et de se rapprocher de ses alliés. Alors là, j'ai pas l'impression qu'on ait une carte générale qui permette d'aller jeter un coup d'œil sur où nous en sommes et à quel endroit on pourrait retrouver les petits copains. J'ai pas le sentiment. Hein. Pour l'instant, Et la carte, elle est assez éclatée. Donc, le jeu vient juste de se lancer. Là, on voit qu'il y en a certains voilà, qui se sont regroupés, là, qui sont du même clan. Le clan Kull, Bella Kulaine et Grumpy Teddy. Euh, voilà donc là on, on peut bouger pour le moment euh, c'est juste le démarrage je pense pas qu'il y ait une vraie nécessité de le faire mais l'idée après ça sera de se regrouper et de se mettre dans des lieux plutôt sympathiques alors je vous propose qu'on aille découvrir un combat on va aller faire un combat très simple on va attaquer et donc là je me retrouve sur la phase de combat donc dans la phase de combat je vais avoir des champions euh, qui sont des champions plutôt on va dire de corps à corps et des champions plutôt à distance si je prends mon champion, voilà, les champions comme ceux-ci, là que vous voyez, c'est des champions qui sont plutôt à distance. Alors malheureusement, lui, c'est mon seul champion que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et que pour l'instant, je suis obligé de mettre devant. Donc il va être plus fragile. J'ai mon annihilatrice. Donc ma meilleure championne qui est à distance. J'ai deux champions attaque. Euh, donc lui, quand on voit le petit bouclier, c'est un tank. Qui va avoir une notion de contrôle. Et mon cogneur qui est mon vampire ici. Et on le voit. Ce sont des vétérans fidèles. Ils ignorent 15% des résistances de l'ennemi. Euh, Puisqu'ils sont, euh, sont quand même à un endroit spécifique. Et pour ça, il faut que je les affecte à deux emplacements de première ligne. Vous voyez, donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Ils sont tous les deux à première ligne. Pour protéger celui-là qui est un petit peu plus fébrile. Donc je vais attaquer. Hop. Donc là, j'ai un petit délai. Une fois que j'ai lancé ma composition, on voit mes petit persos bouger. Vous voyez que j'ai perdu 6 d'énergie. Ça m'a coûté 6 d'énergie de lancer cette attaque. Et la bataille va commencer dans 3 secondes. Donc pour l'instant, on est sur des batailles qui sont en auto, euh, qui sont plutôt lentes. Alors on voit, il y a toutes les caractéristiques qui se mettent en place. Vous voyez, là, ça a été quand même relativement simple. On va essayer de voir si on ne peut pas trouver un combat un peu plus long, parce que pour le coup, même si ça nous rapporte des petits trucs, c'est quand même très léger. On va essayer d'aller attaquer le niveau 4, là. Je pense qu'on est un petit peu juste. Mais on va tenter le coup. Ah, il faut d'abord que je batte un niveau 3. Voilà, on a un camp de tank ici. Donc là, on voit, on a des niveaux 5 en face. Je pense que lui va se faire dégommer. C'est pas grave. On ira le soigner au besoin. Donc là, forcément, c'est un petit peu plus loin pour moi. J'ai pas vu combien de temps il me fallait. Déjà, ça m'a coûté plus d'énergie. Hein, puisque ça m'a coûté. Euh... Ah non, ça m'a coûté la même énergie. Donc 6 énergies. Et je suis en train d'arriver. Voilà. Ah, C'est dommage, dommage qu'on n'ait pas une carte un peu plus grande, à hein. moins que je l'ai pas trouvée. Donc là on va se retrouver dans la bataille, on peut ignorer cette bataille en décochant entre eux automatiquement, voilà là je m'y retrouve et on va démarrer, vous voyez les capacités de charge qui permettent d'aller plus rapidement, bon donc finalement le niveau 3 avec le niveau de mes champions permettent assez facilement aussi d'aller au bout et on va récupérer donc des petits artefacts relativement simples, pas de champions blessés, a été plutôt très très simple. On va peut-être du coup aller attaquer le niveau 4. Hop. Voilà. Alors, on voit que les niveaux sont un peu plus élevés. Ça va être un peu plus un hein, chouïa plus compliqué. Et donc l'idée c'est forcément d'aller taper des niveaux plus élevés pour pouvoir monter rapidement. Surtout bah, obtenir des artefacts et puis des des ressources qui vont permettre de monter plus facilement et vous serez obligé de le faire si vous voulez monter les niveaux de vos champions. Donc le jeu est plutôt beau, euh, il est plutôt joli, pour l'instant on n'a pas vraiment la main, j'attends de voir un peu par la suite sur les, sur les compétences, il y a, y a vraiment une histoire de position à prendre évidemment en compte, mais on n'a pas forcément la main, euh, on est sur, euh, voilà, sur du combat euh, qui n'est pas au tour par tour, ça c'est vraiment les, les goûts et les couleurs, moi qui suis un, un fervent... Euh, fidèle de Red Shadow Legend, j'aime beaucoup le tour par tour, là c'est pas le cas tant pis, on verra si après ça me plaît dans la durée mais en tout cas c'est un jeu qui a du potentiel, qui est beau visuellement qui, qui à mon avis a pas mal de choses encore à, à dévoiler, donc je serais très curieux de voir comment ça évolue, euh, je vous ai donné donc les bases de ce jeu en vous faisant découvrir, euh, vous pouvez donc le télécharger sur les plateformes Android, je pense aussi pour tout ce qui est euh, iOS euh, Apple Store, je pense que ça doit être euh, possible également. Moi j'utilise également un émulateur PC qui me permet justement de tourner cette vidéo donc vous pouvez aussi jouer sur PC via j'utilisais le D player mais il y a aussi Stack, enfin tout un tas d'autres. Et donc euh, pour pouvoir découvrir ce jeu aussi euh, visuellement sur euh, sur PC. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce cette découverte et ce premier guide débutant vous aura permis de découvrir un petit peu plus ce jeu en profondeur, en tout cas pour les toutes premières bases, là on est vraiment sur les bases des bases, et je vous proposerai une partie 2, peut-être une partie 3, mais en tout cas une partie 2 totalement orientée sur les champions pour vous permettre à, de vous donner quelques petites astuces, euh, et vous expliquer vraiment le mécanisme, parce que c'est quand même le cœur du jeu, avec évidemment la stratégie, donc euh, bah écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup, de, un petit coup d'œil, il sortira dans pas longtemps, et si vous regardez cette vidéo, et que j'ai déjà fait le 2, vous la retrouverez à la fin de la vidéo, directement disponible, euh, là en visuel, pour pouvoir cliquer, et enchaîner directement sur la partie 2. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, belle fin de journée à tous, ciao